Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous montrer mes nouvelles créations donc d'avril, enfin mes dernières créations d'avril. Donc j'ai fait énormément de colliers, enfin énormément, un peu plus que d'habitude. Donc on va vite commencer avec ce collier. Donc c'est un cupcake avec la base rose, oula, rose, rouge, de la chantilly. Donc c'est fait avec de la fimo liquidée, de la fimo. J'ai pas de déco 3D, pas pour l'instant, mais j'ai trop envie d'en avoir. Un petit deux. Avec des cannes fraises. Oups. Donc si vous voulez aller voir mon tuto sur la canne fraise, normalement elle va être postée maintenant. Soit elle est postée, soit elle va être postée. Avec une petite cuillère là, trempée dedans. Un petit nœud rose pâle. Oula, qui se détache un petit peu. Je vais devoir mettre un point de colle. Oups, ça bouge un peu. Sur une chaîne vie. Donc c'est un collier pas sautoir. Ni collier en fait, c'est un peu entre les deux, donc ça arrive plus ou moins ici. Voilà. Ensuite, toujours dans les colliers, j'ai fait un collier pastèque. Donc, du tuto de l'écran de Bibi. Donc, si vous voulez que je refasse le tuto, je veux bien, enfin voilà. Donc, je trouve ça trop chouette ce cupcake. avec les deux couleurs, le dessus avec les petits points noirs, avec un nœud beige sur Shelby, donc c'est la même taille que celui avant, je pense, plus ou moins. Et toujours avec le fermoir. Il est toujours. Alors, toujours dans les colliers, j'ai fait, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, je vous le remonte sinon, un petit Rilakkuma. Voilà, trop mignon. Aussi de l'écrit à Bibi, je pense. Avec des framboises et le coulis, enfin la crème plutôt, rose, avec un rouleau. Un grelot rose pâle sur Shelby, mais un peu plus fine. Et ils ont plus ou moins la même taille. Voilà. Avec l'effet cuit et texturé. Alors ensuite, dans les straps, donc j'ai réalisé un strap petit chat. Donc voilà, je m'ennuyais, je savais pas quoi faire. J'ai fait un strap. Si vous voulez le tuto, dites-le moi en commentaire. Donc c'est normal qu'il a un œil un peu plus grand que l'autre, hein, c'est fait exprès. Avec un nœud blanc à point noir. Et une breloque étoile. Donc la petite queue derrière qui passe devant. Je trouve ça trop mignon. Sur un strap noir. Alors toujours dans les straps. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait depuis longtemps je pense. Mais je voulais toujours pas montrer. Ou alors peut-être que je le montrais. Je sais plus. C'est peut-être que je le montrais. Je pense. Un cupcake avec de la chantilly. Du coulis chocolat. Un petit cœur trempé dedans. Voilà. Et avec un petit nœud. Rose très pâle et une perle mauve sur un strap rose. Je trouve mais trop mignon ce strap. Voilà. Alors toujours dans les straps, j'ai ce petit cupcake. Donc texturé avec un petit nœud. Ici la base est rouge avec des points blancs et une breloque cœur sur un strap rouge. Et un dernier strap, c'est un strap, c'est pareil en fait que le collier, des petits Rilakkuma. Enfin en fait c'est pareil, voilà, je vais pas continuer à décrire. C'est exactement le même en plus petit, avec une breloque étoile. Oula, breloque étoile, sur un strap rose. Voilà. Et alors j'ai fait une paire de boucles d'oreilles, donc c'est une paire de boucles d'oreilles malabar. Carambar, oulala. Donc c'est une boucle d'oreille américaine avec le bouchon, emballage, vernis et tout. Enfin, toutes mes créations sont normalement vernies. Ou alors je vais le faire. Et une bague, je sais pas non plus si je vous l'ai montré, mais voilà. C'est du. Donc le bleu là, en arrière, pas les points, c'est du. En effect, je sais pas c'est quoi la couleur exacte. Je ne l'ai pas sous la main. Je sais pas, mais c'est un peu transparent comme ça avec des paillettes, c'est trop joli. Avec du bleu d'eau, je pense que c'est du bleu d'eau en petit point. Et elle est réglable. Vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, c'est terminé pour mes nouvelles créations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une vidéo sur l'une de mes créations que vous venez de voir, dites-le moi en commentaire. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!